Écoutez, d'abord, je crois que c'est un réel progrès. C'est un réel progrès parce que, d'abord, les assises, mais aussi les travaux des missions parlementaires, les travaux de l'IGAS ont permis de mettre à plat beaucoup de choses. Ce que je retiendrai des assises, c'est que la qualité de la concertation et finalement la responsabilité de tous les acteurs ont permis de faire émerger des propositions fortes. Et ces propositions ont été, pour la plupart, reprises dans le projet de loi ou dans les amendements qui sont venus ensuite. Et donc, au total, on a, je crois, un texte qui reflète assez bien, naturellement, tout n'a pas été repris, mais enfin, reflète assez bien ce qui s'est dit et ce qui a été proposé pendant les assises, qui, je crois, est de nature à sécuriser le système. Sécuriser autant qu'on puisse le faire, parce que naturellement, on ne peut pas tout prévoir. Le mandat qui consistait à dire tout faire pour éviter que le drame que nous avons connu se reproduise, je pense que les participants aux assises ont fait tous leurs efforts et que le panel des propositions est de nature à sécuriser, encore une fois, mais naturellement, on ne peut pas tout prévoir. L'idée, c'était de mettre tout ça à plat, de prendre des mesures de droit, législatives ou réglementaires, mais aussi d'instituer ou de favoriser des pratiques et d'évaluer ces pratiques de telle manière qu'on arrive à prévenir ces situations de conflit d'intérêts. Et donc, quand on a parlé de statut d'expert, de reconnaissance des experts, quand on a indiqué le fait qu'il fallait cloisonner la décision et l'expertise, que la responsabilité du décideur était une chose et que la responsabilité de l'expert n'était une autre. Le fait qu'il pouvait y avoir plusieurs expertises, qu'il devait y avoir un système de contradictions, le fait qu'il fallait instaurer de la transparence, de faire savoir, de diffuser l'information. Tout ça, ce sont des mesures qui sont de nature à prévenir le conflit d'intérêts. L'expert, par définition, c'est celui qui a travaillé et qui a étudié un sujet. Il est devenu expert sur ce sujet. Il peut donc avoir eu des liens. Mais avoir eu des liens ne signifie pas automatiquement être en conflit. Et donc, si vous voulez, pour moi, il y a deux choses différentes. On peut avoir eu des liens et on peut se trouver dans des circonstances qui font qu'on est en conflit d'intérêts, du fait des liens qu'on a. Eh bien, il faut que le système et les mesures soient telles, et je pense que la loi contribue en partie à cela, par la transparence, par un certain nombre de règles de fonctionnement, par la pluridisciplinarité, par la contre-expertise, par la séparation décideurs, experts, etc., des règles de base extrêmement simples, font qu'on peut prévenir le conflit d'intérêts et éviter que tel ou tel expert ou tel décideur se trouve en situation de conflit. Parce que c'est ce qui a généré les dysfonctionnements du système. Et c'est là qu'est le plus grand risque. Écoutez, je pense qu'il y a plusieurs dimensions. Ce qui nous a paru essentiel, et moi j'ai souscrit à ce qui était, je crois, l'idée générale, c'est que il faut repositionner la visite médicale sur son champ et ne pas lui faire faire ce qu'à mon sens elle ne doit pas faire. Alors là, on a dit clairement, je ne sais pas si ça passera dans la réalité, hein, on verra à l'usage, mais nous avons dit clairement dans les assises que la visite médicale devait être et ne devait être finalement qu'une action de promotion d'un produit. Tout ce qui est aujourd'hui considéré comme formation des professionnels, information scientifique, etc., je pense que tout ça, il faut que ce soit précisé. Il s'agit bien, en réalité, de l'utilisation d'une force de vente. Point. Et je pense que ça doit être dit. Et que les chartes qu'on doit faire, y compris la charte de déontologie, etc., tout ce qui était d'ailleurs en cours avec la Haute Autorité de Santé, qu'on a demandé de renforcer et surtout de formaliser,
et d'évaluer, à mon sens, doit aller dans ce sens-là. Et de manière à ne pas confondre les genres. Je pense que beaucoup des ambiguïtés viennent de cette confusion entre la promotion d'un produit, donc la force de vente, et l'affichage d'une formation continue, d'une information, etc. Il faut être clair. Il faut être clair. C'est une force de vente. Voilà. Ce que je dis n'est pas péjoratif, hein, mais il faut que ce soit dit très clairement. Alors, je disais tout à l'heure, force de vente, c'est l'image, mais j'ai pris la précaution de dire que ça n'était pas péjoratif. Et dans mon esprit, c'est absolument pas péjoratif, naturellement. Il est logique qu'il y ait une part variable dans la rémunération. Simplement, alors d'abord, je tiens à dire que je ne suis pas du tout dans l'intention de m'immiscer en quoi que ce soit dans la gestion des ressources humaines de chaque firme. C'est pas mon sujet. Et cette question-là, c'est pas mon sujet non plus. Mais puisque vous me posez la question, je vous réponds à titre personnel, mais ça n'engage que moi. Je considère que dans le contexte précis de la visite médicale, la rémunération à la boîte est une erreur. Enfin, moi, personnellement, je suis contre. Parce qu'on construit une inflation et on désécurise le système. Donc, c'est très mauvais. Alors, trouver des modalités de rémunération variables sur d'autres critères, on ne peut que l'encourager. Et dire que un de ces critères serait des référentiels de qualité, moi, j'applaudirais dès demain, évidemment. Alors, ça reste à construire, à évaluer et à voir comment ça marche. Et encore une fois, je ne veux pas me mêler de ce qui ne me regarde pas. Mais sur le plan des principes, personnellement, je trouve que c'est très intéressant, oui. Si vous voulez, c'est difficile de revendiquer une éthique professionnelle pour une profession quelle qu'elle soit. Et si on prend la profession des visiteurs médicaux, c'est difficile de revendiquer une éthique professionnelle et de constituer des outils de rémunération qui soient un peu différents des ambitions éthiques affichées, pour ne pas dire contraire. Voilà. Ça me paraît curieux comme démarche. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors, vous avez pu constater, comme moi, que ce n'était pas une proposition qui avait été retenue et qu'elle ne figure pas dans la loi, cette disposition. Je crois cependant que c'est intéressant. Alors, ce que nous avions proposé, qui n'a pas été retenu non plus, ce qu'ont proposé les assises, c'était en fait la mise en place d'une sorte de comité des sages, composé, un petit comité, hein, composé de 5 ou 6 personnes. Indépendantes, alors des professionnels et des magistrats indépendants, selon les propositions qui avaient été formulées par les assises et qui figurent dans le rapport de synthèse, avaient vocation à, d'une part, contrôler de manière inopinée la sincérité des déclarations publiques d'intérêt, d'autre part, faire une veille, en quelque sorte, sur le fonctionnement du système en général et servir de recueil pour les alertes qui ne seraient pas allées au bout, de manière à les réinsérer dans le circuit et à obliger qu'on y réponde ou que l'on regarde ce qui se passe. En quelque sorte, c'était une fonction de sagesse, de veille, de contrôle et d'alerte, qui aurait pu aussi tout à fait remplir cette mission vis-à-vis du bon exercice de la profession et de la visite médicale, mais aussi sur d'autres aspects. Bon, je ne sais pas si dans l'avenir ce sera mis en place. Je crois que c'est une nécessité. Et qu'il faut absolument qu'on ait une fonction indépendante de vigilance sur le fonctionnement général du système.
Parce qu'on a la matériovigilance, on a la pharmacovigilance, et on a un système dont on s'efforce de le mettre en sécurité assez régulièrement, la preuve, cette loi. Mais personne, pour le moment, en tout cas aucune autorité ayant une certaine indépendance vis-à-vis des pouvoirs publics, vis-à-vis de l'industrie, vis-à-vis du système lui-même, des agences, etc., ne regarde comment ça se passe. Je pense que c'est nécessaire. Alors, je sais, ça a été discuté, cette visite médicale collective à l'hôpital. Le principe en a été amendé fortement à l'Assemblée. Et donc, on ne retrouve pas dans le texte actuel exactement ce qui a été proposé par les assises. Néanmoins, je partage avec d'autres la conviction que c'est tout à fait réaliste et tout à fait possible. C'est dans l'intérêt bien compris d'une bonne politique du médicament à l'hôpital, c'est-à-dire des responsables hospitaliers, médecins, directeurs d'établissement, sur la dimension médico-économique. Et donc, il y a à la fois la dimension de la qualité et de la sécurité, mais aussi la dimension économique. Et je dirais que cette visite collective, elle est possible parce que dans une vie antérieure, j'ai dirigé des établissements, et des gros établissements hospitaliers, des CHU, je l'ai pratiqué parce que les médecins le souhaitaient. On l'avait mis en place et ça a très bien fonctionné. Donc je pense que c'est possible, pour autant qu'il y ait une volonté commune. Et la clé, à mon sens, ce sera la convention, qui est prévue par le texte d'ailleurs, qui sera à passer entre l'établissement et l'industrie. Et finalement, on dit souvent que le diable est dans les détails, mais c'est cette convention qui va faire en sorte que ça marchera ou que ça ne marchera pas. Et c'est là qu'on verra la volonté des partenaires, ou de freiner, ou de bloquer, ou d'aller vers ce que moi je considère comme un progrès. Il devrait y avoir une convention type ou un modèle de convention, mais il ne faut pas non plus se laisser enfermer dans un modèle type. Je pense qu'il y a, selon les établissements, qu'on soit CHU ou pas, qu'on soit un CHU spécialisé, comme certains établissements parisiens ou des grandes villes, ou pas, des modalités un peu spécifiques. Donc, à partir d'un modèle type, il faut laisser des marges d'adaptation locales et de discussion. Il faut une certaine souplesse. J'espère qu'on n'aura pas un modèle type imposé et dont on ne pourra pas sortir. Ça, je pense que ça ne serait pas forcément souhaitable. Oui, bien sûr. Ce que nous avons dit, nous, c'est que la pharmacovigilance concerne naturellement au premier chef les professionnels, mais tout le monde, y compris les patients, et naturellement les visiteurs médicaux. Si dans son champ d'action, dans son panel de produits, il lui revient de par les professionnels qu'il côtoie ou même des patients ou d'autres voient des effets indésirables, naturellement, il doit les signaler. C'est une obligation, non seulement légale, mais je dirais éthique, de comportement, d'éthique professionnelle. Pour moi, c'est une évidence. Mais ce n'est pas ce qui remet en cause, fondamentalement, la profession et son exercice, sa finalité, c'est la vente. Je vous remercie, M. Couty, du temps que vous avez bien voulu nous accorder.